Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, les versets 17 à 27. En ce temps-là, Jésus se tenait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages, de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, et il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Bien-aimés de Dieu, telles sont les paroles que l'Église nous propose en ce jour. Seigneur, nous voulons t'honorer en ce matin. Et Seigneur, nous voulons te dire pardon pour toutes les fois où nous avons aimé les choses de ce monde plus que toi. Quitte ton tombeau, car il a la vie. Quitte ton tombeau, car il a la vie. Quitte ton tombeau, car il a la vie. En abondance, car en Jésus, il y a tant de merveilles. Quitte ton tombeau, car il a la vie. Oui, quitte ta tristesse, car il a la vie. Quitte ta tristesse, car il a la vie. Quitte ta tristesse, car il a la vie.
bien-aimé de Dieu. Ce riche était triste parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens. Aussi grand, aussi nombreux, aussi riche que soient tes biens, Dieu est au-delà et au-dessus de tout cela. Il est le maître de tout. Il est celui qui siège sur le trône. Il est au-dessus de tout, de tout, de tout, de tout, sans exception. Alors quitte cette tristesse qui te fait croire que si tu t'abandonnes à Jésus, tu vas tout perdre. Au contraire, tu vas tout retrouver dans le Seigneur. Abandonne-toi seulement à Jésus. Car tout ce que tu espères dans cette vie terrestre, il l'a en abondance. Tout ce que tu peux penser ou imaginer qui puisse participer à ton épanouissement ici-bas, Jésus l'a en abondance. Et il sait de quoi tu as besoin. Et il sait comment et quel procédé il va prendre afin que tu sois épanoui sur cette terre des vivants. Alors quitte, quitte, quitte tout ce qui t'empêche. Quitte tout ce qui t'empêche de suivre le Seigneur. C'est un appel fort qu'il a fait en disant à ce riche: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, viens et suis-moi. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de le suivre. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Et la Bible dit, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur, mais écoute, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Et lui-même, il a dit, rien n'est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Il a la vie. Oh, il a la vie en abondance. Car en Jésus, il y a tant de merveilleux. Quitte ta tristesse, car il a la vie. Il a la vie. Il a la vie en abondance. Car en Jésus, il y a tant de merveilleux. Quitte ta tristesse, car il a la vie. Amen. Amen. Il a la vie et il a la vie en abondance. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous convaincs. Que toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Que si nous nous abandonnons à toi, il y a tellement de merveilles, tant de merveilles en toi, tant
tant de merveilles, des merveilles en abondance. Merci Seigneur pour le souffle de la vie. Merci Seigneur pour la paix, la santé, la joie. Merci pour la richesse, l'abondance, tout ce que tu permets dans nos vies. Et nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la richesse, la puissance, l'autorité, le pouvoir. Et nous t'honorons ce matin. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Passe cette journée dans la paix de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.